Le Kishni, il est dans l'attente de prévente des billets de Rogue One. Il attend que ça. <laughs> il regarde les news à chaque fois pour voir si un jour on va enfin pouvoir euh, précommander nos billets. Si je me souviens bien, début euh, novembre, voire même fin octobre de l'année dernière, on avait déjà les billets pour Star Wars 7. Et là, bah, pour le moment, on n'a pas grand chose. Du coup, ce que je fais, bah, c'est que je me balade un petit peu sur internet euh, pour regarder les titres de news et non pas les news et oui parce que j'ai pas trop envie de me spoiler sur Rogue One. bah déjà niveau des préventes des billets j'ai vu qu'apparemment ce serait avant fin novembre ça me semble un peu tard quand même fin novembre va bah, falloir se grouiller pour s'organiser parce que oui euh, on est en train de s'organiser avec euh, quelques groupes d'abonnés euh, alors ça c'est ça fait suite à des, des vidéos précédentes hein, tout avait été organisé hein, si vous n'avez pas suivi et donc du coup on est vraiment en train de s'organiser et le souci c'est que pour le moment bah, on attend les préventes pour qu'on puisse regarder un petit peu notre horaire pour aller le regarder. Après, j'ai vu qu'il y avait apparemment un nouveau teaser. Je dirais même que je pense qu'il y a une pub en plus supplémentaire. C'est très dangereux ça parce que j'ai vu qu'apparemment. Enfin, euh, j'ai pas vu, mais j'ai entendu, j'ai lu qu'apparemment ça en dévoilait pas mal. Donc, euh, on va éviter encore de, de se spoiler. Après, euh, j'ai lu encore une fois des personnes justement qui disaient Oui, mais pour moi les teasers de films de Star Wars en général ça fait partie du film ça fait partie euh, de la magie du film ouais de, de l'avant-film et ça fait partie déjà de la magie Star Wars avant qu'on aille voir le film en réel je comprends je peux comprendre ce choix c'est sûr que si vous avez été habitué à ça si les spoils ne vous font rien et que pendant le film vous réussissez à profiter du film tel qu'il est et vous arrivez à ressentir absolument euh, tout ce qui est possible, malgré que vous ayez connaissance de quelques informations. Bah écoutez, euh, tant mieux, tant mieux pour vous. Et euh, je peux que vous souhaiter de continuer à, à regarder euh, les informations à propos du film. Si pour vous ça fait partie de ça... Eh ben bah, ne vous empêchez pas de le faire. En tout cas, moi, non, je, je ne peux pas. Je l'avais trop fait passer un temps. Mais pas que pour les films, hein, surtout pour les jeux vidéo, c'était. Quand je jouais à une démo ou euh, quoi que ce soit... Bah, j'étais parfois même déjà dégoûté et donc du coup j'achetais même pas le jeu vous allez me dire c'est le principe d'une démo c'est de savoir un petit peu comment est le jeu mais des moments voilà tellement que j'y jouais tout ça dès que j'avais le jeu ben j'avais l'impression de déjà l'avoir et donc je ressentais pas toute toute cette euh, toute cette joie en fait d'avoir un, un nouveau jeu entre les mains j'ai vu aussi jean herzo est-elle sensible à la force alors bien sûr, là je suis en train de vous lire des titres de news que je vois quand je tape sur Google euh, Rogue One et que je fais actualité. C'est vraiment que des titres et j'ai envie juste de vous parler de ça, des, des titres. Je sais c'est un peu con hein, parce que j'ai pas lu le contenu, mais c'est plutôt mon avis sur... Euh bah, par exemple, cette question-là, c'est une question que je me suis pas posée euh, lors de la dernière vidéo à propos de Rogue One. Gin Erzo est-elle sensible à la force Alors, pour moi, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas pour une raison c'est que Rogue One est un spin-off, c'est un hors-série. Donc, il faudrait qu'il mette de côté le plus possible tout ce qui concerne la force, les Jedi, les sabres laser, etc. Et avoir un personnage principal qui serait sensible à la force. Bah, ça ferait accorder encore plus d'importance à ce qui devrait être absent de ce film. Et si elle y est sensible, ça veut dire qu'elle pourrait très bien s'en servir. Et si elle s'en sert pour ses missions, où est l'intérêt de faire un film de guerre réaliste Le film ne serait pas réaliste. Or, ce qui nous a été vendu, c'est un film réaliste. Donc avoir l'héroïne qui serait sensible à la Force, je n'y crois pas trop, et ça s'inscrirait pas dans le but du film. Après, ça n'empêche pas qu'elle le soit quand même et qu'elle ne l'utilise pas. Mais je ne sais pas si ça peut aller euh, ensemble, ces deux composantes-là. Mais je me dis que si jamais on apprend plus tard que c'est une descendante d'une famille euh, de Jedi, on va dire Skywalker, mais bon, ou que euh, ce sera justement plus tard une précurseuse, ça se dit <laughs> faudra aller voir sur internet ça euh, de justement la précurseuse d'une future famille que euh, j'en sais rien moi justement euh, si elle fait un enfant avec Luc ou j'en sais rien après bon même si elle fait ça en fait elle est même pas obligée d'être sensible à la force donc non non moi franchement je la vois pas du tout sensible à la force non je sais pas ce que dit l'article vous pouvez aller voir si vous voulez euh, mais moi euh, non moi j'y crois pas euh, j'ai lu un générique différent de la saga d'origine. Ah, ça c'est une énorme question. C'est vrai que j'aurais pu me la poser aussi dans la dernière vidéo de Dragon que j'ai faite. Au niveau du générique, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là et j'avoue être intrigué aussi. Alors, ce serait pas forcément une erreur qui ait un générique comme d'habitude, comme un bon vieux Star Wars avec le texte déroulant, mais sachant qu'encore une fois c'est un hors-série, ce serait bien qu'il s'en détache. Alors qu'il s'en détache pas forcément en supprimant totalement euh, l'idée d'un générique euh, particulier, mais justement en le remplaçant par autre chose et qui soit bien pensé. Je sais pas, n'importe quoi. Euh, le texte déroulant à la base c'est un truc qui avait été jamais. Ça avait jamais été fait au cinéma. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si je ne me gourre pas, ça n'existait pas à l'époque pour, pour, pour les montages de faire des, des, des textes déroulants comme ça qui, qui partaient vers le fond. Enfin voilà, c'est un truc qui n'existait pas. Et donc du coup, je crois que c'est une bobine en fait qui, qui se déroulait et eux, avec la caméra, ils bougeaient tout seuls. Enfin, je crois qu'ils avaient trouvé un truc, je ne sais pas, pour, pour justement que ça fasse un texte déroulant. Mais ce n'était pas du tout euh, automatisé comme ça l'est aujourd'hui. Mais ils pourraient faire justement autre chose. Alors, j'ai pas d'idée. C'est pas moi qui vais faire le générique. Hein. Mais je sais pas pas euh, si je devais dire des trucs comme ça, euh, je sais pas, un, un, un générique un peu euh, sphérique ou euh, pas en 3D mais qui... Je sais pas, imaginez, imaginez ce que vous voulez, proposez-moi des idées si vous en avez, comme ça peut-être que Disney euh, euh, vous lira et prendra la décision à la dernière minute. Non, je pense sincèrement que ça doit déjà être fait, le film il doit être monté déjà. Non, franchement je vois... Pas ce qu'on pourrait faire d'autre, mais ce serait bien qu'ils qu trouvent un truc original. Ou alors, bah, ce sera simplement un Rogue One, et en dessous, à la place de l'épisode machin, ce sera marqué A Star Wars Story, et après, on aura le texte déroulant comme d'habitude. Alors, j'ai lu qu'il y avait des montres Star Wars Rogue One, rien à dire spécial là-dessus, que une fan avait décodé des messages euh, dans la pub Star Wars, et apparemment, ces messages alors je sais pas dans quelle langue c'était, et euh, je sais pas comment elle a fait pour les décrypter. Est-ce qu'il y a une sorte de dictionnaire d'une certaine langue dans Star Wars qui nous permet de, de traduire ça Mais dans ce cas, tout le monde pourrait le faire. En tout cas, je vais juste vous lire les, euh, les phrases, ça apprend rien de spécial. Hein. Euh, C'est des phrases apparemment euh, qui ont été euh, inscrites par l'Empire. Et il y a euh, Repoussez les rebelles, rejoignez l'Empire, soumettez-vous à nos ordres, les pleins pouvoirs à l'Empire personne ne pourra nous arrêter cette fois, écrasant la rébellion en une seule attaque éclair, cette station est l'arme ultime de l'univers. Voilà. En plus, je sais même pas trop où, où c'est vu que j'ai même pas lu j'ai pas vu la pub, donc je sais même pas où sont inscrits ces, ces messages codés. Mais voilà, c'est des messages apparemment euh, très gentils, hein Ça se voit, ils sont ils sont très gentils, ils, ils veulent pas trop faire de mal aux rebelles. Ça va, on aura un film euh, tranquille. J'ai lu aujourd'hui même K2SO le danger inattendu. Ce serait pas étonnant, finalement, vu que c'est un, un robot de l'Empire. Enfin, c'est vrai que, d'après ce que j'ai compris, il a été reprogrammé. Donc, du coup, pour moi, il ne représentait plus une menace et il resterait un, un droïde drôle. Mais ce qu'il y c'est que c'est pas un droïde drôle qui va pouvoir être récurrent. Et peut-être que, justement, vu que c'est que pour un seul film, eh ben, c'est possible que, ouais, il rebascule. Même les robots peuvent rebasculer, oui, apparemment. Euh, non, mais je sais pas que, euh, soit ils s'en souviennent, mais bon, pour un robot, c'est bizarre... Soit qu'il y ait une sorte d'ordre 66, je ne sais pas, que l'ordre, l'Empire pourrait... Je sais pas, un, un, un truc qui lui ferait complètement péter les plombs et que là, il, il se souviendrait de son passé ou j'en sais rien. Et qui se montrait contre, contre Jean. C'est peut-être même lui, si on pousse le vice encore plus loin, c'est peut-être lui qui va tuer Jean à la fin, ou euh, enfin, si elle meurt, hein, euh, ou d'autres rebelles. Mais en tout cas... J'ai pas voulu en savoir plus sur la news, donc je ne veux pas savoir. C'est sûr que pour vous, si vous avez lu la news, vous pouvez peut-être me dire, oui, mais non, mais c'est ça. En fait, ils disent que ça. Oui, parce que ça, c'est la grande particularité des news. C'est que bien souvent, tu vois des titres, des titres putaclics, on va dire. Et c'est vrai que quand tu regardes le contenu, t'as souvent un énorme plâtras. Melty, ils sont très forts pour ça. Un énorme plâtras pour au final, rien dire. Vraiment ou alors, tu as, as une phrase qui est mise en gras, et même ce serait presque la seule phrase intéressante. Parce que souvent, ils font des résumés au début, ils font des théories après, ils... limite, ça tiendrait en un seul tweet. Voilà, ils, ils font un article avec le, le, leur titre, et puis ils mettent leur tweet. Et c'est fini, ils ont fini l'article. Ils auraient autant de clics, hein. Ils auraient même plus de personnes qui liraient jusqu'au bout, vu que ce serait court. Voilà, des fois, tu perds ton temps. Enfin, c'est pour ça que moi, même non, je ne perds même plus mon temps. Dès que je vais sur une news, je cherche les lignes en gras ou qui sont... Euh, ou alors je descends tout de suite dans la news et je que je les dernières phrases. Parce que ça sert à rien, enfin, ils font que résumer. Après, si c'est bien pour les gens qui ne se tiennent pas souvent au courant, c'est bien parce qu'ils résument la situation. Ok, on est d'accord. Mais là, ils ont des petites techniques, c'est marrant et on ne peut pas leur en vouloir. Ils font référence souvent, enfin, ils partent en live pour justement pouvoir faire référence à un autre article qu'ils ont écrit sur leur site pour que justement ils mettent un lien et qu'on puisse aller cliquer dessus et que ça leur fasse des clics. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, c'est normal, il faut qu'ils fassent marcher leur business. C'est tout à fait normal, mais je trouve ça juste drôle parce que c'est flagrant, ça se voit, quoi. Et enfin, Diego Luna, le film, qui dit que le film serait apparemment le plus réaliste de toute la franchise, ce qui est encore une fois normal. Enfin, on s'y attendait et heureusement, j'ai envie de dire, comme je le disais, voilà, normalement, il n'y a pas vraiment de notion de la force, il n'y a rien de mystique, normalement, dans ce film, ça va être que, euh, un film de guerre... Mais futuriste, évidemment, vu qu'il y aura justement toutes ces technologies, euh, tous ces vaisseaux, tout ça, fin, de l'univers de Star Wars en général. Après, futuriste ou pas, c'est dans une galaxie lointaine, très lointaine, hein. donc c'est avec leur technologie à eux. On peut pas savoir si c'est futuriste ou pas par rapport à nous, enfin bref, là, ça nous ferait partir dans un débat incroyable. Mais voilà, c'est normal qu'il soit réaliste si justement le film reste dans l'optique d'être un film de guerre. Et je me suis euh, posé juste une petite question du coup pour euh, terminer, et toujours en lien avec ce qu'a dit euh, du coup Diego Luna, c'est euh, que le film, du coup en étant très réaliste, pourrait peut-être nous toucher personnellement, et peut-être davantage qu'un Star Wars normal. Eh, qui sait Bon, voilà, c'est un peu toutes les news que j'ai recensées euh, pour aujourd'hui. Euh, peut-être que vous, vous les avez lues. Me spoilez pas si vous avez vu des bandes annonces ou des trucs comme ça, si vous savez quelque chose, ça paraît évident, mais bon, je préfère le rappeler quand même. Ou alors vous mettez un gros spoil histoire que je ne lise pas et que ce soit seulement à destination des personnes qui, qui connaissent déjà un peu tout. Euh, mais voilà, voilà. Euh, ça fait parler, c'est bien, c'est bien, il y a beaucoup de news, ça donne envie de les regarder, mais euh, bon, je me retiens. Mais je voulais quand même en parler, et c'est pour ça que, bah voilà, je, je vous fais cette petite vidéo. Voilà, là, on, on commence petit à petit à parler un peu plus de Rogue One. Hein, Rogue One, il arrive, euh, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, euh, sur Rogue C'est, euh, voilà, j'ai envie d'être dedans, mais euh, sans trop non plus euh, m'en dévoiler. Mais voilà, le, le but de ma chaîne aussi, c'est du Star Wars. Et là, on approche d'un grand événement. Alors, il faut bien que, que je le mette en avant comme il se doit. Voilà. Allez, eh bien, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous, et que la force soit avec vous.